En cette cinquième journée de Ligue des Champions, Zagreb venait à Chambéry. Privé de Xavier Barrachet, le CSH va devoir tout faire pour lutter face à une équipe croate plus expérimentée. À la mi-temps, les Savoyards arrivent encore à contrôler les Croates, mais Philippe Gardan va devoir composer avec son banc pour ne pas céder en deuxième période. Fin du match, 26 à 28, la défaite est chambérienne. Malgré un beau match, Zagreb était ce soir plus fort. On a bien joué et c'est juste à ce niveau, on a fait beaucoup des erreurs et on a raté 5 ou 6 immanquables. Et comme, contre une équipe comme Zagreb, c'est brutal. Zagreb est une belle équipe et ils ont 7 ou 8 joueurs qui jouent à l'équipe nationale de Croatie. Et ils ont beaucoup d'expérience. C'est déjà une semaine et je pense maintenant ça va. C'était dur avant, match contre Nantes. J'ai eu mal à la tête, mais maintenant ça va. Je pense qu'on est un petit peu déçus quand même. Même si je ne vous cache pas qu'avant le match, on craignait un petit peu cette équipe-là, encore plus maintenant dans la configuration qui est la nôtre en ce moment. Puis, vu le déroulement du match, je pense que chaque équipe a eu sa chance de pouvoir éventuellement le remporter. Nous, on n'a pas su la saisir. On a été un petit peu fébrile à un moment où on aurait pu peut-être prendre un peu de large, notamment sur le bal des plus 3, où là on est un petit peu fébrile. Et puis, on s'agrève avec l'expérience qu'ils ont. Eux, ils n'ont pas forcément tremblé quand ils ont eu cette chance-là. Donc voilà, quoi. Donc on est déçus parce qu'on a fait une grosse débauche d'énergie pour rien en fait. Et voilà, quoi. Donc on est déçus.